Allô là les gens, c'est Alcia. Donc on se retrouve pour une grosse partie du jeu, je pense. Je sais pas du tout encore si je séparerai les épisodes en deux. Enfin, de toute façon, vous le verrez bien, vous dans le let's play, hein, de toute façon. J'ai Dentycris en première position, donc c'est normal parce que c'est lui qu'il faut que j'exp en premier. Donc ce que je vais faire, j'ai le multiplex d'activer. Non, je vais rester comme ça, je vais rester avec Dentycris en premier. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de combats parce que sinon les épisodes ils vont durer, mais alors des années. Donc, pour l'instant, on esquive un peu les. Ah, je veux dire, on esquive un peu les dresseurs, mais pas de chance. Pauvre petit Pokémon tombé. Pauvre petit Pokémon tombé aux mains des misérables intrus. Je ne sais plus lire, ça y est. Excuserai, je me suis fait une boisson chaude en même temps parce que j'ai un peu froid. On se réchauffe un peu comme on peut. C'est bizarre, hein, on était les bienvenus il y a quelques épisodes et maintenant on ne l'est plus. Il y a peut-être une dizaine d'épisodes, hein, parce que là, c'est vrai que j'aurais peut-être compté, mais je crois qu'on est au 28. Et il me semble qu'on est arrivé au Paradis Hyter aux alentours de 13-14, donc ça fait au moins une dizaine d'épisodes. Qu'on avait été bien reçu. Parasect, je vais dégager. Je vais décaniller, parce que de toute façon, si la peau sèche, je redonne de la vie. Et j'ai rien pour lui faire du mal. Je peux pas mettre Mimiki, parce que s'il a une attaque poison, Mimiki va prendre très cher. J'ai Archéduc, donc j'envoie Archéduc. Archéduc, pardon. J'ai une tendance à dire Archéduc, mais en fait c'est Archéduc. Donc je vais mettre Archéduc, j'ai envoyé Archéduc. De toute façon, voilà. Hein. Bon, de toute façon, je suis dans les levels. J'espère vraiment qu'on aura. Que je réussirai à ne pas tous les affronter parce que clairement sinon on va jamais s'en sortir. Et il a fait une petite picore qui fait l'OHKO. Grodrive, bah je vais pouvoir remettre Dentycris parce que de tête Grodrive et Spectre. Je crois Grodrive et Spectre, hein, si je dis pas de bêtises. Et Spectre quelque chose, je crois. Non, 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 c'est pas Grodrive qui est Spectre quelque chose. Je confonds avec Lugulabre. Oui, je confonds Grodrive avec Lugulabre. Hein. Ne me demandez pas pourquoi. Je croyais qu'il était Spectre. Mais Spectre Feu, Lugulabre de tête. Oh putain. Ouais, non, je vais décaniller. Je décanille. Et. Est-ce que je peux envoyer Mimiki quand même dessus? Parce que j'ai des attaques intéressantes. Non, c'est vrai que j'avais dit que j'apprendrais au moins une attaque fée à Mimiki, mais je l'ai pas fait entre les épisodes. Donc, et ben, ce que je vais faire, c'est que j'ai envoyé Noctali. Voilà. Donc j'espère que j'aurai fini ce let's play. Pour mon anniversaire, sachant que mon anniversaire c'est le 24, ça me laisse pas beaucoup de temps. Lance-moi une petite feinte. Feinte ne loupe jamais. Et je pense que ça sera assez efficace de toute façon pour l'achever. Bon. Donc Tony monte d'un niveau. Ce que je veux c'est que Dentycris monte de niveau par contre. Il m'envoie un Vibranymph. Oui, on va changer, on va remettre Dentycris. Vibranymph, il est sol. Si je vous dis pas de bêtises, il est sol. Donc Aquajet devrait largement lui faire de dégâts. On va faire Aquajet, puisque Aquajet de toute façon a une priorité, donc.
autant en profiter. Ouais, il met la tempête, mais je l'ai de HKO, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a vraiment aucun souci, hein. Même avec la tempête sable, je l'ai de HKO. Bon, je sais pas ce qu'il y a dehors, mais un sacré goût, quoi. Les voisins qui font des travaux, et... putain, oh le couac. Je pensais que je l'ai de HKO, mais non. C'est quoi ce délire? La tempête sable lui booste quand même pas ses défenses. On va mettre Loup-Garok. Parce que Loup-Garok est immunisé à la tempête sable. Alors là, faut que je vérifie un truc. Ça lui booste pas sa défense quand même. Non, ça lui fait rien. Ça lui donne juste. Et par contre, mon setup qui est en train de se faire la malle, c'est pas top. Voilà, ça devrait aller mieux. Hein. Tant pis, on coupe un peu la. La vision. On va faire ton broche. Ah, oh, je pensais que je le dois HKO. Oh là, je me suis fait guaquer, mais tellement. Bon, dans Tigris, de toute façon, je l'explorerai vraiment hors combat. Hein, parce que sinon, hors cam, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Surtout qu'il a pas des IV qui sont top. De tête, il a pas des IV qui sont top dans Tigris. J'ai pas de rappel à rien. Est-ce que j'ai... Si, c'est bon, j'ai des rappels. Je vais donner un rappel à Nauticris, hein, de toute façon. Qu'est-ce que je peux... Les CT, est-ce que j'ai pas une attaque fait quelque part? Cosprit, faut que je change tout mon attaque. J'ai rien à lui apprendre en fait, quoi. Je trouve ça hallucinant, quoi. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. M'excuserez, j'ai pas compris. T'es qui, toi? Non, en fait, c'est quoi? Je m'en fiche. J'ai juste besoin de ton fric. La vilaine, elle va me taxer du fric. Le logo de la fondation Hyter me fait énormément penser au logo de la Team Skull. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a des similitudes dans leur logo. Putain, Dracos. Ah, ça se mouche pas du coude. Pour Dracos, qu'est-ce que j'ai... J'ai Mimiki qui peut encaisser le dragon. Par contre, j'ai pas d'attaque fée, donc ça va poser problème. Faut vraiment que je pense à trouver soit une attaque glace, soit une attaque fée. Je vais décaniller, je vais envoyer Mimiki. Parce que Mimiki, de toute façon, a l'avantage. Je pense que je la prendrai ombre portée ou qu'il la prendra peut-être par niveau, ce qui sera très utile aussi. On va envoyer donc une petite attaque griffon. Techniquement, je vais encaisser son attaque. J'espère que je peux faire le 2 ou 3 HKO. Petit coup de boule. Donc j'encaisse son attaque, ça ne me fait strictement rien puisque j'ai fantomasque d'activé. Une griffe ombre. Un nouveau petit coup de boule. J'espère que je tiens par contre. Oui, large. Il tient très large, Mimiki. Il est solide. Mimiki est solide. Oh, j'ai mon frère qui est rentré. Bon. Pique les ronds. Piclaron, j'ai envoyé Loup-Garok. C'est la galère. On va faire une petite tombe roche. Normalement, ça devrait suffire.
Ah, comment ça il esquive? Comment ça il esquive? Bon, il me baisse ma défense, mais c'est pas très grave. En principe, il devrait pas louper une deuxième fois. Sinon, il faut que je lui mette la loupe. Voilà, éclairant et KO. Lugarok monte d'un niveau, ce qui est pas plus mal non plus. D'après Manuel, te passera sous le nez, petite madame. Permettez que je visite d'abord. Hein. Bon, là, il y a un dresseur, donc on l'évite. Est-ce que par là... Non, par là, il n'y a pas de dresseur. Ce qui est... Ah, d'accord, il y a un objet, ok. Il y a un objet au calme. Bon, je fais vite pour voir s'il n'y a pas des trucs intéressants, genre une CT ou une connerie comme ça. Si, il y a une CT ici. Ok. Oh, toxique. Ben, je vais pouvoir apprendre toxique tout de suite à un Pokémon. Toxique, il y a déjà Malmandre qui l'a, mais par contre, je vais l'apprendre à... Mimiki peut l'apprendre, c'est assez surprenant. Je vais l'apprendre à Noctalie, parce que Noctalie... Quand je le jouerai, bon, il a pas la bonne nature, mais quand je joue Noctali, je mets toujours une attaque genre toxique ou une connerie comme ça. Donc j'ai oublié pour. Non, j'ai pas oublié Psycho, j'ai oublié Poursuite. J'ai oublié Poursuite parce que Poursuite n'est pas forcément plus intéressant. Le set de Noctali est à peu près correct. Quoique je voudrais bien lui mettre une attaque genre vœu ou une connerie comme ça, mais bon. Pour l'instant, j'ai pas cette possibilité là. Bon, ce coin là est visité. Est-ce qu'on a encore d'autres choses à voir? Je ne sais pas. On esquive le dresseur. Par là, rien du tout. Oui, bah, alors, a priori, on peut. Ah, il y a un objet par là. A priori, on va pouvoir se rendre. Aux étages supérieurs. Je viens de découvrir un super bonbon. Alors, ce que je claque tout de suite, c'est la question. L'épisode, il va être super long, je sens. Tu fais quoi? L'accès au sous-sol est réservé au personnel autorisé. L'accès au sous-sol est réservé au personnel autorisé. Je m'y attendais un peu, mais quand même. Pas le choix. Allons à l'étage. C'est le retour de l'homme coxyclac. Trop bien. L'homme coxyclac. Putain, où est-ce que je vais piocher ce nom là quand même? S'il n'y a qu'un seul nom à retenir, c'est bien ce... Au sein de la fondation Aether, c'est bien celui de la du directeur de la branche d'Alola. Autrement dit, le mien, Saobone. Bref, pourquoi reviens-tu ici? Et ce, sans invitation? Saobone, tu sais très bien ce qui me ramène ici. Tu sembles déjà bien informé, mais je n'ai aucun commentaire à te faire. Tu me connais, mon cher Gladio. À chaque fois que je vois le personnage de Gladio, je me pensais pour FF15, quoi, c'est terrible. J'aime mes petits secrets, j'aime avoir mes petits secrets. Alex. Au combat Pokémon, tout le monde est sur un pied d'égalité, quel que soit son âge. Vraiment? Je suis le pilier du paradis Aether, et tu veux que je m'abaisse à affronter des enfants? Après tout, pourquoi pas? Bon, de toute façon, je vais te liquider, Saobone. J'espère que t'as pas beaucoup de Pokémon, c'est tout. Oh, alors, je t'en ai qu'un, c'est bon, ça va le faire. Et un hypnomade, bon, alors comme ça, t'es pas en meilleure posture en face de mon Antichrist. L'Antichrist prognate ma chouille, hein, je tiens à préciser. Et donc, c'est l'OS KO sur un Antichrist, sur un hypnomade qui a le même niveau que nous. Mimiki prend un niveau impeccable.
Il veut prendre Aiguisa, je... Non. Aiguisa ne me servira pas. Donc c'est pas la peine. Malheureusement, on leur prend un niveau aussi. Bon, c'est pas plus mal. Oups. Ah, c'est vrai que Mimiki tient la pièce rune. Faut que je lui donne une... Dantigris tient la pièce rune. Malheur, malheur. J'ai perdu face à un simple enfant. Alex, c'est trop fort, t'as réussi à battre ce bon, wow. Bah, je connais ma table des types, hein, donc en même temps... voilà. So bon, quelqu'un d'aussi futé que toi de soir, exactement ce qui m'amène ici. Les épreuves de la vie en fait pour un jeune homme bien imprudent. Vous êtes là pour Cosmog, je me trompe. Dans ce cas, vous feriez bien de jeter un œil au sous-sol, mais je ne vous garantis rien. Au sous-sol? Mais oui, Madame Vicky en parlait, elle disait que la scousse venait probablement d'en bas. Vous faites quoi dans votre sous-sol, dites? Ah, qui sait? Je sais uniquement ce que l'on veut bien me dire. Je veux lui parler d'expérience sur les ultra-brèches. So good, ce n'est pas le temps de taper la discute. On pourrait passer à la suite. Toujours aussi impatient à ce que je vois. J'aime bien un directeur magnanime. Je vais donc vous aider. Donc ce serait un faux méchant. Alex Tilly, on descend quand vous êtes prêt. Bon, on va descendre maintenant de toute façon. Alors, prêt? Oui, de toute façon on va descendre maintenant puisque j'ai pas le choix. Bon, après j'aurais pu aller me soigner, mais je vois pas l'intérêt de me soigner maintenant en fait. Donc là il nous faut monter pour qu'on puisse descendre. Et il manigance quelque chose. Bon, c'est une partie que j'ai pas faite du tout. Enfin, c'est mon copain qui la rush pour moi. Il la rush jusqu'à la ligue après ça sur ma version. Donc forcément c'est une partie que je connais pas bien du tout. J'ai mon frère qui m'a causé d'en bas. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Rien n'a changé ici. Et dire que ça fait 2 ans déjà. Wow, on dirait trop une base secrète. Tu peux pas rester concentré 2 minutes. Enfin, c'est toujours mieux que d'être mort d'autrui, je suppose. Bon, on fait quoi? Il y a 2 labos. Je vais prendre le premier, le labo secret A. Occupez-vous du labo secret B. Et pourquoi c'est toi qui décides? Et puis d'abord, comment tu sais tout ça? Surveille tes arrières au lieu de poser des questions inutiles. Sobono a déjà dû les prévenir de notre arrivée. Oh là là, il a même pas répondu. En fait, il est mort de trouille, c'est ça? Gladio à la trouille, Gladio à la trouille. Tiens, Alex, prends ça. C'est fort utile. Il y a un danger, il faut qu'on secoue les carapuces. Qu'on se secoue les carapuces. Ok. Donc attendez, on va aller voir s'il n'y a pas un autre labo par là. On peut pas y aller, ok. Donc je suppose que celui-là. Non, je peux pas y aller. Et celui de l'autre côté. Ok, bon. On va aller dans celui-là. De toute façon, j'ai pas le choix. On va affronter 3 adversaires. On va faire un combat trio. Ça serait épique qu'on fasse un combat trio. Ouais, mais du coup, j'ai l'Antichrist qui est en mauvaise posture, mais Mickey aussi. De toute façon, j'ai l'Archiduc pour relever le tout, mais enfin bon. Bon, bah, on va aller combattre comme ça. Écoutez, on va y aller YOLO. Intrus, protéger le labo secret. Ok, ah non, on les affronte un par un, d'accord. C'est dommage, j'aurais bien aimé un combat trio. Après, la console aurait lagué de ouf, mais enfin bon. Je suis dans le mal avec Grotanor sur Dantigris. Qu'est-ce que je peux envoyer? Bon, oui, on voit.
On va mettre Tritox. Ouais, on va mettre Tritox, parce que je pense que Tritox peut largement faire le taf. Malamant, pardon, j'ai une bêtise. J'ai tendance à toujours l'appeler Tritox, hein, ne me demandez pas pourquoi. Allez, on invoque la Jojo's Bizarre Pose de la pyro-explosion cataclysmique. Et annihile-moi ce déchet ambulant. S'il te plaît, Malamandre. Donc aussi, tant que j'y pense, que j'allais faire le plein de CT, parce que je sais qu'il y a des CT qui me manquent, qui peuvent être achetés. J'en profiterai comme ça pour voir les CT qui peuvent être intéressants pour... Putain, c'est le... Il m'a fait un mal de chien. Mort un mal de chien. Bon. Bon, le Dodge KO, c'est déjà ça, mais quand même. Le mal qu'il a fait à Malamandre. Oui, tu as perdu, petit monsieur. C'est normal, c'est parce que je suis meilleur que toi. Bon. Je crois qu'on va aller jusqu'au bout du chemin et puis je ferai une coupure ici parce que sinon l'épisode il va être trop. Et déjà 25 minutes que je tourne à peu près. Ouais, après mon chronomètre, hein, après. Avec les coupes et tout ça, je ne saurais pas du tout vous le dire. Je peux absolument pas envoyer Malamandre parce qu'elle est en trop mauvaise posture. Il me reste Garc Lugarok. Ouais, j'ai envoyé Lugarok, hein, parce que de toute façon... Voilà. Bon, par contre, ils auraient dû modéliser un PNJ avec 3 Pokéballs, hein, parce que là, ça va faire... Ça fait beaucoup de combats, en fait. C'est beaucoup trop de combats. Luminocanon. Ok. Mais c'est quoi ces attaques de ouf? Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi ils font autant mal que ça? Ouais, mon français est pas terrible, hein, je sais, mais... C'est quoi ce délire? Pourquoi ils font aussi mal que ça? Ah, j'ai vraiment du mal à piger. Là, c'est... Oh putain, puis il est solide, mon magnéton. Il est solide. Il me refait un lumino canon. Je suis KO. Oh, le mal qu'il fait. Malamandre, elle est tellement pas en bonne posture. Je crois que ça va être pour passer des Pokémon comme Magneton. Je suis un peu dans la galère. J'ai le contre, mais il faudrait que je trouve une meilleure attaque feu que rebondit feu, quoi. C'est... Puis qu'il joue sur le spécial. Tu vas me faire un coup bas. Archiduc va me faire un coup bas. Putain, ça échoue. C'est quoi ça? Oh la galère! En plus là, il compte m'attaquer sur le spécial. Faut vraiment que je décanisse ce Pokémon très vite. Parce que sinon, je vais être tellement dans le mal. Ah ouais, j'ai fait décaniser rapidement. Pour le coup. Pour le coup de le dire. Je crois qu'à mon avis, il va falloir vraiment que je fasse une grosse session d'XP. Archiduc veut faire l'âme feuille. Oui. Tu oublies l'âme feuille et tu vas prendre. Tu oublies Trancherbe et tu vas prendre l'âme feuille. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Une meilleure façon de gagner les combats. Je crois qu'il va vraiment falloir que je...
Si tu veux savoir quelles expériences nous avons menées sur lui, il va falloir me battre. Oh non, putain, je pensais qu'on le battait pas, mais en fait, si. Oh. J'espère que t'as un truc que je puisse contrer facilement. Ouais. Et donc, Porygon 2. Porygon 2 est type normal, si je dis pas de bêtises. Bon, techniquement, je risque rien parce qu'il a pas d'attaque genre morsure, à moins qu'il me passe une connerie genre copie ou autre chose. Donc je vais lancer ma chouille avec Prougnat, ça devrait lui faire pas mal de dégâts. Et il me fait rien au signal. Ah, je suis trop dans le mal. Par contre, c'est vrai que je fais pas beaucoup de poké détente, donc ça handicap un peu. J'envoie Archiduc. Parce que s'il me refait rayon signal, c'est neutre. C'est x1 au lieu d'être x2, donc autant dire que ça me fera pas grand chose. Je vais utiliser l'âme feuille, parce que j'ai le stop sur l'âme feuille. Je crois que je peux pas l'attaquer en type spectre, donc c'est pas la peine que je fasse la JoJo's Bizarre Pose. Ah, le magnéto, il m'avait tellement mis dans le... il m'a tellement mis dans le mal. Voilà, maintenant je me soigne. Cosmog, la clé du pourvoir pour ouvrir les ultra brèches. Mais trêve de braconnage. Je sais plus lire. Les combats ne sont pas le point fort de notre équipe. Éclipsons-nous. Lui, il sait plus où il est. Lui, il sait tellement plus où il va. Et il me fait penser à Gusma dans l'idée. Genre, ça serait Gusma déguisé que ça me choquerait pas plus que ça. J'ai la console qui bouge, mon setup qui bouge, c'est pas top. J'espère que je vais avoir largement ce qu'il faut, parce que sinon j'ai tant là. Quelque chose pour recharger la vie. Des hyper potions, j'en ai combien? Moi j'en ai deux. Bon, on va éviter. Super moment, limonade, rappel max, fer. On va rester comme ça. Je pense que ça suffira. On va continuer d'avancer. On va voir Gladio. J'ai déjà fouillé cette pièce. Elle n'est pas ici. Alors inutile de perdre un temps. Type 0 et moi se ressemblent. Nous avons été créés pour servir quelqu'un d'autre. Mère me considère comme un accessoire. Elle me dit toujours comment m'habiller, comment me comporter. Tandis que Type 0 a été créé pour servir dans le but unique de combattre les ultra-chimères. J'ai vraiment du mal à lire aujourd'hui. Il était conçu ici même, dans cette chambre. Ok. C'est bien d'avoir des infos sur Type 0. Ah, j'ai bien vu un truc faire briller. Ok, donc on ramasse la cellule de Zygarde. Et puis on continue d'avancer par là. Voilà. Tilly s'excite tout seul après un meuble. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en! Vous allez répondre vos microbes partout. Nous menons des recherches de la plus haute importance. Les mioches n'ont rien à faire ici. Je dirais que je suis venu pour rechercher une amie. Que vous avez enlevée. Ah, c'est un combat double. Ok. Ok, ok. Donc, il nous faut un combat double. Donc, deux Pokémon. Ça devrait le faire. Hein. De toute façon, avec Nauticris et Arcaduc, ça devrait largement le faire. Ok, donc l'Antichrist, tu vas me faire une psycho sur Machopper. Et Raichu, si t'es pas trop idiot, tu vas attaquer sur Boom. J'espère que je vais pouvoir leur faire quand même pas mal de dégâts. Quitte à après lancer un. Ça fait le Wash KO. Donc je pense qu'avec un Aqua Jet sur Sorboule, ça doit être largement faisable maintenant.
vitesse, PV, j'ai rien en défense quoi. Défense SP, j'ai rien. Pour que je le booste un peu dans cette stat. Ah, lui par contre il a laser glace, il a fait pas mal de dégâts de dégâts à Raichu. Tu vas me faire un aqua jet. Parce que de toute façon il est que glace, donc autant taper sur du neutre. Hein. Parce que j'ai rien pour contrer la glace avec Sorboubou. Sorbou, pardon. Et donc Nali prend un niveau, ce qui est pas plus mal aussi. Là où il y a de la lumière, il y a nécessairement de l'ombre. Ces belles paroles ne suffisent pas pour créer un monde idéal. Comment ils ont l'air blasés, mais d'une force. Le combat n'est vraiment pas notre point fort, à nous les chercheurs. Ceux du Loboa aux côtés, ils sont en train de se relâcher. Ce n'est pas étonnant vu la dangerosité des spécimens qu'ils étudient. Oui, c'est bon, dites-nous plutôt où sont Lily et Cosmog. Je te dirai bien, même si tu nous as battus. C'est ça d'être un adulte. Un adulte menteur. L'air. Oh putain, non, mais on se croirait dans une cour de récré, quoi. Le discours de l'adulte. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'ils ne sont pas ici. Tu l'as sûrement déjà remarqué. ouais, bah s'ils sont... Alex, j'ai une idée. On n'a qu'à chercher de notre côté. On a plus de chance de trouver des indices. Il n'est pas très bête, hein. C'est pas dans le genre de cas, c'est très très intéressant. Ouais, je vais pas m'amuser à lire ça. Hein. Vous ferez pause pour le lire. Si ce rapport est vrai, Cosmog serait une ultra chimère. Il faut qu'on le dise à Gladio et vite. Bah allons le dire à Gladio et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, on a appris un truc sur Cosmog. Apparemment, si j'ai bien compris, déjà, c'est sûrement une ultra chimère. Quand on le stresse, bah, il peut ouvrir une ultra brèche, genre, pour s'échapper. Quand il est en stress, quand il a peur ou qu'il a mal, tu veux dire? Cela expliquerait pourquoi Lily s'est enfuie avec lui. Par contre, on ne l'a vu nulle part. Ça ne m'étonne pas. Et je parie que Saobon le savait. Damnation, enfer et damnation. Je crois que nous sommes fait avoir. Y a pas à dire, le côté sombre et torturé, c'est quand même super classe. Bon, on le rattrape, on va pas le laisser tout seul quand même. Oui, on le rattrape, mais on le rattrapera dans le prochain épisode. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye les gens, c'était Alcia.